Babymo Days rempile pour une deuxième édition. À l'approche de la Cannes 2023, le Conseil national du tourisme a entamé une session ordinaire. Et en fin d'édition, retour sur le Festi Diego qui a tenu en haleine la ville de Diego Nefla. Pour sa deuxième édition, le salon de l'investissement immobilier intitulé Babymo Days CIMO aborde principalement les thématiques de financement et construction durable pour pallier le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Les objectifs de ce salon pour chacun des participants, déjà, c'est de faire du business. Mais il ne s'agit pas que de faire du business, il s'agit de se rencontrer, de se former, de d'échanger et d'apporter des solutions concrètes à ce secteur qui est complexe et transversal. Ce salon a abrité plusieurs panels inspirés du thème « Une nouvelle ère pour l'immobilier et le développement des territoires, enjeux, défis et solutions ». Si nous nous réunissons, c'est de trouver des pistes de solutions de sorte qu'on puisse résorber ce déficit de logement-là et permettre aux Ivoiriens de se loger. Le secteur financier ne reste pas en marge de ces projets liés aux bâtiments et met en œuvre des actions dans le but de faciliter la construction de logements sociaux. Nous continuons à discuter avec les professionnels du secteur pour accroître notre financement en leur faveur, aussi bien en ce qui concerne le financement des projets, les grands projets immobiliers, que en ce qui concerne le financement des acquéreurs. Plusieurs acteurs de ce domaine organisent des salons similaires ainsi que des rencontres plus restreintes entre acteurs de ce milieu dans le but de promouvoir des logements sociaux et de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés dans le domaine de l'immobilier. Plus que 10 mois avant le démarrage de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à compétition d'envergure, préparation d'envergure. Le Conseil national du tourisme a donc tenu une session ordinaire le 1er mars. Pensons que la Côte d'Ivoire doit saisir cette CAN au regard de tous les efforts consentis au plan financier, au plan matériel et sous différentes formes. Nous nous devons de saisir cette opportunité pour bâtir une véritable stratégie pour implémenter un modèle de croissance de notre tourisme et faire en sorte que cet événement soit une occasion de fête. Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, Korogo ou encore San Pedro, la compétition implique de nombreuses villes. Ainsi, cette rencontre visait à sensibiliser les fêtières et les différentes organisations du secteur, du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs sur leur implication pour des services de qualité. Quand on dit la CAN, c'est vrai, c'est un événement footballistique. Mais quand les gens viendront, ils dormiront où? C'est des hôtels. Imaginons où? Dans les restaurants. Le jour qu'il n'y a pas de match, que feront-ils? S'ils sont bloqués, ils auront envie de se divertir, aller voir les potiers de Mangoro, vers Katula. Ils iront voir les potiers qui sont là ou de Mbayakuro. Prendront l'as, Boaké, Yamoussoukro pour voir les orfèvres de Ngata de Lucro. Donc, on réunit tout ce monde-là pour dire c'est le moment ou jamais de faire le beurre. Ils doivent s'approprier l'événement. La grande messe du football africain s'inscrit dans la lignée de Sublime Côte d'Ivoire, stratégie élaborée par le gouvernement pour faire de la Côte d'Ivoire une destination incontournable à l'horizon 2025. Inspiré du FEMUA de Magic System, le Festi Diego, rendez-vous culturel de la localité de Diego Nefla, en est à sa 3e édition. Cette année, le brassage culturel pour la consolidation de la cohésion sociale était le thème retenu. C'est que depuis la première édition jusqu'à présent, les festivaliers grandissent en nombre. Voilà, le nombre augmente de 1000, 2000 et voire 3000. Et on voit qu'il y a l'engouement de la population parce qu'aujourd'hui, la thématique de ce festival-là, c'est quoi? C'est la cohésion sociale. Et donc, réellement, tout le monde se sent dans ce festival parce que ce festival n'est pas politisé. À noter que c'est le maire Bagrou Goli qui a parrainé cette édition. Pour lui, il était important de mettre la lumière sur la diversité culturelle de sa région. La culture concourt au développement d'une région et où il ne peut pas aussi avoir développement de la culture sans sécurité pour que les gens venant ici à Diego Nefla se disent que nous allons dans une région où il y a la sécurité. Nous avons construit un commissariat aujourd'hui, le plus grand commissariat de la région d'ailleurs. Aussi, il faut que les gens qui viennent, surtout les jeunes, apprennent à lire, à écrire, ils aient un niveau intellectuel. C'est pourquoi aussi, nous avons aussi développé tout ce qui est infrastructure scolaire, les écoles que nous construisons. Tout ça concourt
à donner, on va dire, à promouvoir la culture aussi, parce qu'il faut être intellectuel aussi, ça concourt à tout ça. Des défilés en tenue traditionnelle, des prestations d'artistes, des activités sportives et des concerts géants ont meublé le festival. Et on termine avec le Festi Diego. 20 personnes, des exemples dans leurs professions respectives, ont été récompensées. C'était lors du festival de la localité de Diegonifla qui s'est tenu en février. Un rendez-vous pour la valorisation de la culture de la région, de quoi rendre fiers les ressortissants de la région. Tout le monde aime ce qui se passe ici aujourd'hui. Même par rapport à moi-même, je n'ai jamais reçu dehors. À cette heure-ci, mais c'est ma camarade qui m'a dit de venir voir ce qui s'est passé. Et puis, en tout cas, c'est intéressant. Ça m'a donné un peu de joie. Et puis, oublié de mon passé, quoi. Les gens peuvent venir vendre, je vais se débrouiller pour avoir du quoi à subir. Vraiment, on est très heureux de ça. Des humoristes bien connus en Côte d'Ivoire ont pris part à la cérémonie. Ils étaient heureux de prendre part à cette célébration à Diegonifla. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.